Nouveau record du monde sur marathon. Depuis près d'une décennie maintenant, Eliud Kipchoge règne en maître sur la discipline. Il a remporté 2 titres olympiques, 11 victoires en majeur et détient le record du monde. Autant dire qu'il est indiscutablement le GOAT de la discipline. Comme toute légende de son sport, Eliud a inspiré de nombreux athlètes. Parmi eux, un seul vous intéressera aujourd'hui. Un garçon qui n'avait que 4 ans quand Eliud remporta son premier titre mondial en 2003. Un garçon qui, comme Eliud Kipchoge, venait du Kenya. Un garçon qui lui aussi avait des aptitudes extraordinaires pour la course à pied. Ce garçon, c'est Kelvin Kiptum. Kelvin s'entraîna pendant des années, à hauteur de 250 à 300 km parcourus chaque semaine. Après cet entraînement intensif, il décide de faire son premier marathon le 4 décembre 2022 à Valence, à l'âge de seulement 22 ans. Il le remporta aisément, mais le chrono interpella. Moins de 2h02 pour sa première course, du jamais vu. Une performance le plaçant instantanément comme le 3ème meilleur performeur de l'histoire. Un an plus tard, 8 octobre 2023, à Chicago, aux États-Unis. 3ème marathon de sa vie. 2h et 35 secondes. Nouveau record du monde. Il détrône l'indétrônable, le grand Eliud Kipchoge. Cette performance a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias, en raison de la nature surréaliste de la performance. Entre ceux qui considèrent que Kelvin a tout simplement un don, et les autres qui considèrent que le dopage est en partie responsable de ses performances. Quoi qu'il en soit, Kelvin a annoncé qu'il représentera son pays, tout comme son compatriote Eliud, aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous allons donc très bientôt assister à un duel entre l'ex et l'actuel détenteur du record du monde.